Aujourd'hui, c'est le Thanksgiving pour les Américains. Les ressortissants américains à Madagascar ne sont pas en reste. Suivez dans ce reportage réalisé par Abraham Razaf et Vetanje Mananzar comment Denise et sa famille célèbrent le Thanksgiving chez eux à Ivanchi. Regardez. Le Thanksgiving est célébré tous les 4e jeudi du mois de novembre depuis 1621. C'était le jour de récolte pour les migrants européens arrivés au Nouveau Monde. Thanksgiving, qui veut dire littéralement merci pour les dons, est une occasion pour montrer sa reconnaissance pour tous les dons de la vie. À Madagascar, la famille de Denise, attachée culturelle à l'ambassade américaine, a invité ses amis pour l'occasion. Nous avons invité nos amis, nos amis de travail, nos amis de l'école de nos filles, des autres voisins. Normalement, on invite toute la famille, mais comme nous sommes à l'étranger, la famille, c'est les amis. Alors, beaucoup des élèves de l'école américaine, ils arriveront en 2 ou 3 heures. C'est normal aussi, pour qu'on donne à beaucoup de gens, d'avoir une table ici pour les adultes et on met les enfants de l'autre côté. Elle est très gentille. Ma fille de 18 ans peut choisir cette année si elle est adulte. Ce n'est pas un choix. Comme tous les ans, la dinde rôtie est au menu et c'est Jacques, son mari, qui l'a préparée. Je reste loin de la cuisine. Denise a fait la plupart du repas. Mais il a aidé avec. Nous avons beaucoup des invités, alors il y a des autres dindes qu'il a déjà. C'est mon boulot de couper le oiseau. En attendant les invités, la famille s'active pour les derniers préparatifs. Le Thanksgiving est tout aussi important que Noël et le Nouvel An pour les Américains. Tous les établissements américains ont fermé ce jour. Happy Thanksgiving!